Qu'est-ce que tu fais? Tu es aux prises avec une guêpe qui est très amochée. Elle est très amochée? Ouais. Ouais, bah là, c'est, en fait, tu te rends compte que si elle a pas réussi à te mordre, c'est parce qu'il lui manque la moitié de ses mandibules, en fait. Ok. Elle est vraiment très mal en point. Eh bien... Non, mais du coup, elle est au cac, et elle m'a raté. C'est idiot. Elle n'a pas pu me toucher. Eh bien, je vais lui offrir une attaque d'opportunité, tiens. D'accord. Tandis que je me casse ici. Attends, tant pis que tu te casses ici. Ok. T'es joueur. Attends, j'ai encore perdu sa fiche. Ouais, pourtant, t'as pas misé sur toi. Elle va essayer de te planter avec son dard. Évidemment, c'est trop nul, les wasps. Hein. Je vais arrêter d'en mettre, c'est trop nul. Eh bien, du coup, Eldritch Blast. Eldritch Blast, bla bla. Sur elle, ça touche. Donc 7 sur la première. Ah, ça ne la tue pas, par contre. Ça va toucher la deuxième aussi. Vas-y, ça touche, ouais. 7 sur la deuxième. Ça la tue. Ah bon? Bon. Bah, pour le fun, elle se prend également 4 de foudre. Voilà, elle est donc à moins 9. Ok, donc là c'est bon. Et entre Groba et Bayern, lequel est le plus dans la mouise là? Bayern. Bayern. très clairement, Bayern là. Groba, il est vraiment. Presque pas touché quoi. Ok, et bien du coup, il y a Sagno qui va quitter le chapeau en lâchant un petit P et qui va se mettre à côté de. Qui va se mettre à côté de Bayern, et Bayern, tu vas entendre à travers une espèce de vox tu sais, qui est dans sa bouche, la voix d'Ascan légèrement modifiée fait. Mais tu vas te sortir le cul, Bayern! Allez, sors-toi de là! Et je t'aide. Le PNJ insupportable en vrai. Et donc tu as l'action aider, c'est tout pour toi, Ascan, ce tour-ci. Ajouter une lettre en trop. Hein. De quoi? Y'a pas besoin du N. Non, PNJ. Oui. Tant de haine. C'est tout pour moi. Ok, bah parfait. C'est donc au diable de jouer. C'est reparti pour que moi je jette des dés et des brouettes de dés tout ce tour-ci. Les deux au-dessus sont clairement encore bien aux prises avec la vétérane qui commence à montrer des signes de faiblesse. Hein, qui vont essayer de la bouffer. Au bout d'un moment, elle se voilà, bah ça touchera pas. Le deuxième. Et le troisième, il y a les deux touches par contre. Hein. Ouais. N'oublie pas du coup que le glaive, il prend plus de dégâts. Ah, ouais. Ça va régler le problème. Ça fait 22. 22 en tout. Elle tombe au sol. Je sais pas si elle meurt ou si elle tombe juste. Attends, elle a pas de point de temporaire. Elle a plus, non. Ils ont été bouffés par le diable avec les pics là. Ouais, avec sa queue. Elle tombe au sol. Elle est inconsciente. Elle tombe au sol, elle est inconsciente. Je te propose de gérer ça comme un PJ en fait, parce que ceux-là dans le lore ce sont pas des grouillots. Donc j'ai envie de gérer ça comme ça à chacun de ses tours. Elle peut faire son premier jet de sauvegarde contre la mort d'ailleurs. Ce sera à son tour normalement. Oui, ce sera à son tour. Elle pourra, pardon, faire son premier jet de sauvegarde contre la mort. Du coup là ils ont joué les deux, donc elle est. Je vais lui mettre une croix hein, pour qu'on sache qu'elle est tombée. Désolé, c'est... Non, c'est un truc. Je viens de voir le nom complet, quoi. J'avais oublié ça. Du coup, les autres qui sont toujours paqués sur toi, mon cher Bayern, tu vas prendre tout un déluge d'attaques de barbe et de glaive dans tous les sens. Avec l'avantage, du coup. Pourquoi avec l'avantage? Parce que je suis pire que Grapple, je sais plus. Ouais. Si... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'avantage, effectivement. Merci, je n'y pensais plus. Je refais les jets à chaque fois pour chaque attaque. Je prendrai le meilleur. Bah, il n'y a que le 23 qui va toucher, du coup. Petit jet de sauvegarde de Constit, s'il te plaît. Ouais. Bon, ça sent au pâté mou. J'ai aussi... Enfin, j'ai pas des avantages sur les jets de sauvegarde, si. Non, non. Que la Dex. Elle a vu que c'est de la constite. T'as un avantage, t'as une aide. Hein, donc, Ouais, mais j'ai un avantage de base sur la constite. Pour le poison. C'est pour le...
Ouais, ok, ça passe large. De toute façon, le DD est assez bas, hein, heureusement, quelque part. Donc là, tu n'es pas plus emmerdé que ça. Néanmoins, il y a le... Ça, c'était celui du nord. Hein. Là, je vais faire celui du nord-est qui va te taper lui aussi à son tour. Avantage, public roar, l'advantage. La barbe, elle touche. Tout pareil, le jet de sauvegarde constite. Le DD, c'est 12, hein, je l'annonce tout de suite. Je vais anticiper et faire le troisième. Qui, eux, visiblement, ont très envie que tu décèdes. 20, ça touchera pas. Il n'y en a que 3, de toute façon. Hein. Là, c'est, ça a été épuré dans le secteur, quand même. Eh, commence à faire un peu la gueule, hein, le Bayern, quand même. Hein. Ouais. Eh, là, on sent le bout. Encore moins 5, hein, c'est sur moi, c'est ça. Oui, c'est sûr. Les 5... Ah non, pardon. Pourquoi, attends Ah oui, si, c'est les dégâts de la barbe, ouais. Si, t'es obligé de les sauvegarder, ceux-là. Ok. Hop. C'est du poison peut-être aussi, donc... Peut-être que le chat aura menti. Ouais, peut-être, hein. Peut-être que le chat aura mis ce... Ouf. Merci l'avantage, 22. C'est validé. Ah oui, là, mon cher Bern, je fais juste une petite parenthèse avant de passer au tour suivant, à savoir Grobin. Tu commences donc à voir extrêmement rouge. Et tu n'entends plus aussi clairement les sons autour de toi. C'est un peu comme si tu... Tu sais, quand t'es la tête sous l'eau, tu vois. Les sons sont un peu étouffés de cette manière-là. Tu commences à sentir aussi une odeur d'iode très très forte. Pour le coup, les autres la sentiront pas. Mais toi, par contre, Bern, tu sens que... C'est probablement le début de la fin pour Bayern, peut-être, hein, on ne sait pas. Grobin, c'est à toi de jouer, les tours suivants nous diront ce qui va se passer. Ils sont dans quel état, les trois diables barbus? Il y en a un, celui à l'est, il est pas trop mal, les deux autres, ils sont pas très, très frais quand même. Ok. Je vais peut-être essayer d'aller les finir dans ce cas. Vas-y. Je l'ai vu. Si Bayern est vraiment mal en point, donc je vais attaquer avec Témérité. Ouais. Parce qu'il est vraiment dans le but. Du coup, avantage. Hop, ça c'est une première attaque. Ouais, ça touchera bien. Ça va pas le tuer, mais il est quand même pas, okay. Pas bien là. Bah là, il est mort. Hein. Très bien. Ah ouais, je le fais passer un coup. Vas-y, tu peux remettre sur le vraiment. Il s'approche dans. Et en fait, il crie dans l'optique de. Attirer l'attention. De faire en sorte que. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Ce sera à tes vétérans de jouer du coup. Donc, il y en a une qui va faire un D20 pour sauvegarde contre la mort. Ouais. C'est Vanilla, de toute façon, le D20. On rappelle que Lulu, qui va jouer après, a été appelé hein, pour continuer le rituel. Oui, t'inquiète, ouais. C'est retenu. Ok. Et lui, du coup, il va continuer de taper sur le diable qui est au corps à corps avec lui. Hein. Ouais. Hop. Ah ben, je crois qu'il est boosté par le fait que sa pote soit tombée au sol. Tu peux relancer un D10 du coup. Dégâts. Ouais, je suis en train de le taper. Ouf. Oh voilà. 24 dégâts dans sa mouille, tiens. Ok, il apprécie pas trop l'action quand même. Hein. Effectivement, il est blessé, il commence à être blessé celui-là. Pour lui, il a toujours 8 PV temporaires, Grobin aussi, donc c'est bon pour ça. Lulu va se désengager et se rendre. Je viens de me souvenir en fait qu'ils avaient besoin d'elle pour la deuxième partie du rituel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, tu la vois qui commence à y aller, elle dit rien, elle est très concentrée. Hein? Enfin, on la met là du coup? Ouais, par là où tu. Ouais, en proximité. Toi, tu veux aller le voir que Hulder est en train de se relever, hein, il est en train d'émerger un petit peu comme d'un coma. Grobin n'en aura pas conscience, mais pour décrire un peu la scène, si la caméra se tournait sur Lulu à ce moment-là, ce serait ça. Et en fait, on rappelle que Feria et Selterne ont besoin de Lulu pour se servir d'elle un peu comme source d'énergie en partie. Et ils savent aussi que Lulu renferme un pouvoir aussi dont elle a partiellement oublié le contenu, donc ils veulent essayer de s'en servir pour tenter de fermer le portail à distance. Yes. Ce sera donc à Alba, je vais simplement retirer Lulu du turn order parce qu'elle va rester là pendant toute la suite.
si ça te gêne pas. Juste des pelles d'étampe. Ouais, vas-y, vas-y, tranquille, ouais. Ah bah je la laisse comme ça, au pire on relancera si jamais elle se fait toucher, mais là ça a pas l'air d'être parti pour ça. 6, ok. Bon, écoute, je l'enlève, au moins ça simplifiera le turn order. Alba, c'est à toi. Alba, il sait pas trop quoi foutre parce que du coup le nain il est pas non plus hyper bien en pointe. Que le rituel est pas fini, donc il y a sans doute encore du monde qui va se pointer. Je vais claquer pour moi. Je vais claquer un soin des blessures sur Bibi. Et ouais. Ok. Ouais. Ah, ça va mieux. Le chat. Le chat est plus. Le chat va être déçu. Et je vais passer là et mettre une beigne à lui, tant pis. C'est prendre plus de risques, mais il va falloir. Ah, mais non, c'est mon action principale, donc non, c'est très con ce que je fais en fait. Oui, c'est une action principale. Tu remets l'aura. Si tu fais ça. Il va falloir que je fasse ça, je vais te faire confiance. Là, t'as tes gardiens qui tournent pour rien, quoi. Ouais, mais bon. Là, je risque surtout de prendre. De prendre la valse, j'ai rien en action bonus qui me permette de tenir plus, donc tchalala, allez-y. Très bien, c'est donc au vétéran de Bayern de jouer. Ouais. Elle va s'avancer ici. Lui, il a l'air moyen sûr de lui, mais il voit tout le monde qui s'avance, alors il se dit qu'il va aller par là. Il a pas l'air d'être très frais quand même lui. Hein. Ouais. Surtout qu'il est empoisonné. Oui, du coup la lame, il n'y en a plus besoin parce que son ancien propriétaire en est mort. Et elle va attaquer celui à sa droite. Ouais. Et lui, le seul qui peut. Oui, bah oui, celui où. Bah, les deux en fait vont attaquer le seul qui peut. Je vois des flèches qui sont tirées un peu dans tous les sens. De toute façon, je fais duo de vétéran, mais le premier pour elle, et puis deuxième pour, okay. Pour Studio. Ça me va. Ok. Donc au-dessus, c'est pour Studio. Il y en a qu'une qui touche et 12 dégâts qui vont toucher. Effectivement, c'est pris. La deuxième, je crois que les deux touchent. Ouais, les deux touchent. Donc ça fait 14 dégâts. Ça ne le tuera pas, mais ça va bien le blesser. Ah non, c'est l'inverse, tu m'as dit le premier bloc, oui, c'est pour... C'est l'inverse, ouais. Ouais, excuse-moi. Bon, ça, après, c'était pas bien grave. Non, c'est bah... aléatoire. Okay. Ouais, mais bon, c'est... Quand même. Et les PF temporaires, évidemment qu'on n'oublie pas. Mon cher Bayern, ça va être à toi de jouer. On rappelle qu'au début de ton tour, tu prends 2d6 de dégâts. Ouais. Parce que c'est l'effet du diable à chaîne. Alors, 2d6. Ah bah, tu les as achetés. 3 Putain. Honnêtement, j'ai un peu les boules. Ouais. Honnêtement, j'ai un peu les boules, mais. J'ai Et pas le. Avec 4 PV Non, non. Non. Ah, c'est des dégâts perforants. Mais. Bern, il va se mettre une main sur le torse et il va se mettre à hurler, peut-être de douleur, peut-être de rage, vous savez pas trop. Adrien. Hop. Et fin de tour. Et fin de tour, ok, tu... Ouais, c'était ton action, hein. Pour ouais. Bon, tu t'es pourquoi lui attends. Ah oui, je me suis trompé de pardon. Ah oui, ça va mieux. Effectivement, t'es toujours grapple, hein, grapple restrain, hein, on n'oublie pas. Ouais. On n'oublie pas. C'est au diable barbelé de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Là, il voit que il t'est écarté lui. Quoi? Il s'est écarté le diable ici? Non, il s'est pas écarté. Ah bah parce que je le vois ici moi. Non, moi je le vois là. Attends, on refresh. Non, moi je le vois au bon endroit, tout va bien. Le diable barbelé, qu'est-ce qu'il fait?
Ah si, il va quand même, il va y aller au contact en fait, hein. C'est tellement mieux le contact pour lui. Il va avancer et puis mettre des grandes tatanes à la vétérane, enfin essayer de lui mettre des grandes tatanes à la vétérane là-haut. Le deuxième touche. Ouais, je crois bien, oui, ça fait 12. Et ensuite... ouais, donc moins 4. Et ensuite, ça, ça touchera pas par contre, ce sera tout pour lui. C'est au Chain Devil de jouer qui va... Alors attends, c'est faut que je mesure une distance quand même. Ah, t'es trop loin. So close. Il va essayer de t'en remettre une BR dans un premier temps. Avec avantage du coup. Avec avantage. 22, ça touche. Je fais quoi là ? Bah, 12. Bon, t'es pas, y a pas l'effet parce que t'es déjà grapple, hein, de toute façon. Ouais. Donc tout va bien. Bah, il va, ouais, il voit que ça... Ah oui, il voit que ça se passe bien, du coup il essaie de te remettre une deuxième chaîne parmi la multitude qui tourne autour de lui. En tout, ça fera 12 et 11, 23 points de dégâts. C'est noté. Ouf. Peut-être un peu, hein. Là, le wasp, il n'y en a plus. C'est donc le début du 7e tour. Au vu des résultats, on va sauter ce coup-ci. Les résultats précédents, on va sauter ce coup-ci les jets de groupe, les jets de combat de masse qui vont se passer plus ou moins de la même façon. C'est le 7e tour. Le début du 7e tour de ce rituel là, vous pouvez voir qu'effectivement Ulder lui a repris du poil de la bête. Il n'interviendra pas ce tour-ci parce qu'il est en train d'essayer de reprendre ses esprits comme il peut. Il est debout, il est chancelant, il est appuyé contre le rituel, il essaie de percuter là où il est aussi. Surtout il voit que c'est la bagarre un peu partout, et vous pouvez voir qu'au centre de ce portail là s'est érigée une grande sphère en fait, une grande sphère de lumière qui est en train d'absorber un petit peu la magie, l'essence presque vitale des trois protagonistes qui font le rituel, notamment Lulu, de laquelle provient une espèce de... comme un rayon de lumière blanche qui, si vous le fixez trop longtemps, vous éblouira probablement un peu. Et visiblement, il y a des trucs qui se passent par là-bas. Ça se passe pas trop mal, donc vous faites votre taf pour le moment. Ascan, c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais préparer une action. Ouais. Je vais préparer un Cure Wounds. Ok. Que Sanyo Balou va lâcher en réaction sur Bayern. Donc, pas tout de suite, plus tard, du coup. Non, maintenant. Ah, maintenant, ok. J'utilise ma réaction de suite. D'accord. Il récupère 13 PV. Thanks. Il faut faire tenir le palouf, il faut faire tenir le palouf! Et donc comme ça, utiliser mon action et ma réaction. T'aurais tellement dû mourir 20 fois quoi. Eh bien, je ne fais plus rien pour ce tour. Très bien. C'est au diable qui vont faire des jets de sauvegarde. C'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Je vais les faire de haut en bas. Alors lui, il est pas pris. Lui, il est pris par contre. Jet de sauvegarde de sagesse. Il l'avait pas fait lui tantôt, je crois. Si, il l'a fait. Si, il l'a fait. Avant, je crois. Ok, d'accord. Ah oui, 20. Ah non, c'est 3d6. Attends, non, c'est 3d8. Bah non, c'est 3d8. Hein. Ah oui, oui, 3d6, 20, d'accord. Ouais, bon, il prend la moitié, mais là, il aime pas trop le machin. Hein. Il y a celui qui est à côté de la vétérane qui va faire la même chose. Oh! Ça, c'est 20 full, hein. Lui ne survivra pas. Il sera découpé par les esprits gardiens. Celui à côté de lui. Eh ben pareil. Il va se faire découper et ne survivra pas suite aux esprits gardiens. Et eh ben il y a le Chain. Ah non, le Chain Devil, c'est à son tour. Donc là j'ai deux tours de Diable Barbu à faire. Ça va bien là, ça va aller plus vite. Ils vont faire quoi? Là, il voit que ça se passe pas trop mal. Il y en a un qui va se mettre là. Et il va. La barre va essayer d'attaquer la vétérane qui est à côté. Alors qu'il était là. Il était là au-dessus, en fait.
Il était là. Il rentre dans le cercle, donc il fait son jet aussi. Ouais, il fait son jet aussi, ouais. My bad. Ouais. C'est bon ça? C'est 14 ou c'est 16? Je sais plus. C'est 15. C'est 15, ouais, je tente les deux. Donc il échoue. En moyenne, j'étais bon, c'est ça. Donc il prend ses 20 dégâts en arrivant. Il va se faire attaquer par les esprits gardiens, mais il ne va pas mourir. Il va tenter de mettre un coup de glaive un peu en restant à bonne distance de Bayard, mais du coup, profiter d'un avantage. Oh! Oh, j'ai vu! J'ai vu aussi. Oh, le crit. Heureusement, c'est pourri. par contre, tu peux me faire un jet de sauvegarde de, quand même de Constit. Ouais. S'il te plaît. Heureusement, les dégâts sont tout pourris. Putain, 2 et 3. Ouais, 2 et 1, pardon. Oh là là, quel enfer. Ouais, c'est réussi, tout va bien. Pas d'effet supplémentaire. Le deuxième diable, lui, il a déjà fait son jet de. Sagesse, il va essayer de taper sur la vétérane à côté. La barbe. Le glaive. Il n'y a que le glaive qui touche. Je vais lui demander un jet de sauvegarde de Constit en anticipant. 13 dégâts déjà direct. Attends, quoi? La vétérane bleue de... Ah oui, pardon. La bleue, là? Oui, la bleue, là, ouais. C'est okay, encore... Il y a encore lui qui est à côté. J'ai cru... moi, j'attendais le jet de dé patiemment, tu sais. Oui, j'ai cru que c'était la rouge, moi aussi, en fait. Non, non, c'est la bleue. Le rouge, et elle a pris la barre, mais ça a raté. Et ensuite, c'est Bern qui a pris le glaive. Et sauvegarde de Constit, du coup. Sauvegarde de Constit, ouais, c'est ça. D des 12. Pardon, désolé, j'étais... Ouais, je t'en prie. J'étais perdu dans mes pensées. Constit, hop, hop. Ouais, c'est bon, ça pas d'effet en plus, tout va bien. C'est donc fin des tours pour les diables barbus. C'est à Groba de jouer, suivi des vétérans, de tes vétérans d'ailleurs. Bah, Groba, il avance contre le mec avec les chaînes qui est en train de restreindre son copain. Oui. Et putain, mais j'oublie des capas depuis tout à l'heure, bordel, ça fait trop chier. De continuer avec témérité. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Et... Voilà. Les brouettes 2D. 14. Ça touche bien. Ça touche. Si, ça touche. Ouais. Ah, 14 oui. Et 17, du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Ou magique. Ah ouais, ouais. Ça va être. La chasse canine bling bling, je me souvenais plus de ça. Non, 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 attends, parce que je pense que... attends, il faut que je relise. Avec sa deuxième attaque, il va... je pense que c'est une action bonus. Quoi? Bah non, il a deux attaques de base, là, à ce niveau. Oui, oui, ouais. Non, mais le truc radiant, la hache radiante... Bah ça, je sais pas, moi je connais pas ton... je ne connais pas ton perso. C'est une action bonus ou... De quoi, pardon? Qu'est-ce qu'une action bonus? La hache de quoi? La hache qui peut rendre, qui peut aveugler l'adversaire. C'est une action bonus? Laisse-moi voir dans mes trucs. Et je crois que tu me l'avais envoyé en plus. Doc. Attends. De quoi? Non, c'est quand moi je suis frappé par une attaque, je peux faire une réaction pour aveugler. Donc c'est tout. Donc c'est tout pour moi. Donc c'est à tes vétérans, il y en a une qui va faire un jet de sauvegarde contre la mort, ouais. Un des 20, tout simplement. C'est bah, constant. Solide 16. Constant, constant. Il y a le deuxième qui peut jouer, ensuite ce sera Alba de jouer. Il va attaquer. Il est fort blessé. Oui, il est fort blessé, oui. Il est fort, fort blessé celui-là. Ok, bah il continue de l'attaquer alors. Et bah, c'est une action ou une action bonus pour activer ou désactiver Shading Bright Light. Oui, c'est. As a reaction, immediately after being hit at a time, the wielder can expend one charge and cause the attacker to be blind. Ouais, c'est ça. En fait, la hache, elle fait de la lumière. C'est action bonus pour l'éteindre ou l'allumer.
Et le... Ah oui, et le flash, c'est... C'est une réaction. Ouais, en gros, en action bonus, tu peux l'allumer. Ah ouais. Comme ça fait de la lumière. Mais c'est... Oui, c'est effectivement, c'est si tu peux... prendre une mandale ou tu peux aveugler. Ok. Je savais même plus que tu pouvais faire ça. Là, du coup, il va prendre ses dégâts. Ça le tuera pas, par contre. Ouais, ça ne tuera pas, mais... C'est voilà. Le tour du vétéran, du coup. Et c'est Alba, du coup. Alba... Oui, je suis là. Ah. Mais du coup... Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, j'ai été mute, là. Non, tout va bien. Je vais taper sur celui qui est effectivement... Ah oui, merde, attends, j'ai pas le... J'ai pas la longe. Est-ce que je me déplace ? Savoir qu'il reste un diable barbelé encore au nord. Ah oui, il est là où lui. Il y en a encore un, et ça, vous savez que c'est des sacs à PV sans fin. Quoi. Alors, si tu t'avances là, tu peux attaquer celui-là ou celui-là, et il sera dans ton aura. Du coup, je vais taper effectivement. C'était celui-là, je crois qu'il était bien mal en point. Celui-là, il est là, il est au port de la mort, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, on va le mettre. Hop, pardon, je crois que j'ai lancé que les dégâts. Non, c'est bon. Si j'ai lancé que les dégâts, putain, l'enfer. Ah oui, quand même. Ça me sert à rien. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Ouais. Ça fait chiant, plus qu'autre chose. Et ça ne touche pas. Ça ne touchera pas, non, effectivement. Tout ça pour ça. C'est tout pour toi ou t'as autre chose à faire ? Non, je vais garder en réserve le très peu qui m'arrête. D'accord. C'est au vétéran de Bayern de jouer pour visiblement bientôt la fin de cet échange. Ah non, oui, non, si, j'en ai. Ce sont des diables, on est bien d'accord. Ce sont des diables, ouais. Type Fiedlon. Elle va attaquer. Bah, en fait, comme tout à l'heure. Yes. Comme tout à l'heure, ok. Donc les deux vont toucher. Et celui en haut, il va décéder. Pour le coup, il va se faire découper. Et l'autre, il prend 7, c'est ça ? Ouais. Donc lui, il ne sera pas, tué. Mais par contre, il est foutrement bien blessé, là, pour le coup. Et celui de là-haut, il est mort. Je vais retirer son token. Ce sera ensuite à toi de jouer, Baern, qui voit encore très très rouge. On va pas se mentir. Ouais. Tu entends toujours comme si tu étais sous l'eau. 2d6 encore, je crois. 2d6 encore, ouais. Je vais les faire, tiens. Je vais faire un 2d6. Ah, 11 dégâts. Puff ! Perforant. Je suis content que c'était pas tout à l'heure. Ouais. Ah bah moi je suis un peu déçu. Du coup pour me dégager, il faut que je fasse un jet de sauvegarde C'est pas de la sauvegarde, c'est de la force. Ouais, un jet de force. À 14. C'est juste force. Ou c'est athlétisme même, je crois bien. Je pense même pas. Attends, on va voir. C'est évasion, c'est la règle. Escape DC-14 en tout cas. Agrippé. C'est Escape DC-14, mais effectivement, je trouve pas. Bah écoute, moi je vais dire que c'est de l'athlétisme, parce que je vois pas pourquoi ce serait pas de l'athlétisme de toute façon. Donc on va régler ça comme ça pour ce tour-ci, pour pas qu'on finisse à point d'heure ce combat. 15, bah c'est good. Tu n'es plus grapple. Donc par contre, ça t'a cramé ton action. Hein. Ouais. Tu peux te déplacer presque librement. N'oublie pas que lui, t'es dans sa portée d'allonge. Ça, c'est Et lui aussi. Hein. Je vais rien faire de plus en fait, sinon je me fous dans la merde. Dac. C'est donc au diable barbelé de jouer. Lui, il va en fait juste se faire un pas de côté ici pour se mettre à. Même se décaler carrément là, en fait. On va dire se foutre au milieu de la mêlée. Il a l'air de vouloir, vouloir en démordre. Donc il va mettre... Oui, merci pour les PV. Il va mettre une première attaque de griffe à la vétérane tout en haut. Ça va toucher. Ensuite, une deuxième attaque de griffe au vétéran qui est à côté d'elle. Ça va toucher. Ah, ok. Et ensuite, toi, mon cher Alba, tu vas prendre un coup de queue qui va rater. Donc je t'ai mis de l'athlétisme du coup.
Yes. Par contre, là, c'est pas assez haut. Ouais, c'est raté. Bon, du coup, t'as la vétérane bleue en haut qui a pris 7 et l'autre en dessous qui a pris 9. Ok. Voilà, voilà. C'est au diable de chaîne de jouer. Il va tenter une première attaque sur Grobin. T'es attaqué en témérité, on est d'accord. Hein. Grobin. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça touche. Ça touche. Et du coup, en réaction, la hache va faire de la lumière. Ouais. C'est jet de sauvegarde de constitution du DD d'Ascan. Ok. Raté, il est aveuglé, un des 4 tours, je pense. Laisse-moi juste vérifier mon DD. Je pense que c'est pas 22. C'est pas 22. Tu es grapple, par contre, mon cher. Ouais, ok. Et restrained. Et je le prends 9 points de dégâts. Ouais, et tu vas. De toute façon, il va te remettre une autre attaque. Tu es grapple. 19, ça touche. Oui. 13 de mieux, ça fait 22 en tout. Bah, c'est 4 et. 4 et 6. Ouais, après, tu gères. Ouais, ouais. Et donc, il va prendre 2 points de dégâts. Tu gères ce que tu fais. Lui, il prend 2 points de dégâts. Non, non, moi je prends 2 points de dégâts en tout. Ah oui, parce que ouais, t'as les temporaires. J'avais des PV temporaires. C'est le début de notre 8ème tour. C'est à Ascan de jouer. Le rituel arrive à sa fin. Vous pouvez voir qu'il se passe un truc assez étrange au niveau de l'hôtel. C'est que la sphère qui était dans le ciel commence à s'étirer sous la forme d'une ellipse. Pour venir petit à petit prendre la forme de ce que vous avez vu au fond du. Au fond des catacombes, là, au niveau du cimetière. Je viens de voir ton MP, je réfléchis une seconde. Ouais, mon tour va dépendre de ce que tu me dis. Ouais, bien sûr, ouais. Je pensais qu'il serait moins long que ça, le tour d'avant, pour dire. Non, pardon, mais j'essaie d'accélérer un peu. De toute façon, il y a de moins en moins de protagonistes, donc... Et puis j'essaie vraiment de faire en sorte que ça dure pas, que ce soit pas trop chiant pour vous, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de protagonistes de mon côté. Donc mes tours d'attaque étaient longs. Pour moi, la réponse. Que j'ai deux idées, mais. La réponse, c'est que non, tu n'auras pas cette connaissance-là. Et enfin, en tout cas, t'as jamais lu ça nulle part. Et Dieu sait que t'as lu beaucoup, beaucoup de bouquins. Ok. Très bien, et eh bien dans ce cas je vais simplement rester où je suis, tourner une petite bague sur mon doigt et qui va me permettre de récupérer un emplacement de sort de niveau 2. Ah bien. Et ça sera tout pour moi. Au début de ton tour, tu vois aussi, à la fin pardon de ton tour, tu vois que Ulder se déplace. Il est en train de dégainer son arme. Il se déplace, tu vois, qu'il boite un peu et il va. Il est en train de se diriger visiblement en direction de la mêlée derrière. D'accord. Okay. Il est pas frais, hein, autant le dire. Il est pas au top de sa forme, mais par contre, il est en train de partir et tu vois que le home effectivement a été placé à côté de l'hôtel. D'accord. Ok. C'est tout pour Ascan et Sanyu va. Le petit prout. Ouais, va faire un petit prout sur. Bayern, t'es comment? Pas top. et Alba, t'es comment? Trop ça. Quoi qu'Alba, du coup, t'es sur de la range. Ouais. Ouais, bah Sanyo, il va se remettre sur son chapeau, il va te chier à nouveau dessus. Quelle angoisse. Quelle angoisse. tu commences à avoir une sacrée dose de merde. Effectivement. De merde en pétrole. Tu sais, c'est des petits cailloux, des petits engrenages quoi, qui te chient dessus, en fait. Mais qui ont une odeur qui est pas top. Et c'est tout du coup pour mon tour. Je manque un petit peu d'action bonus avec ce perso. Et pour les PV temps. Yes. C'est au diable barbelé. Je vais même pas faire l'affront de jeter le jeu de sauvegarde puisqu'il lui reste 2 PV. Donc il va forcément décéder. Sauf s'il fait 3 points de dégâts avec ses. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, essaye. Bah non, il va, voilà. Là, il va forcément décéder. C'est donc la fin des diables barbus. Qui, vous en êtes venus au bout. Il y en avait un sacré paquet, hein, plus d'une dizaine en tout, quand même. Hein. C'est donc. C'est parti à Vauvert, du coup. C'est ça. Oh, c'est donc à Grobin de jouer maintenant que le champ est un petit peu plus libre. Il reste néanmoins 2 adversaires plutôt de taille. Ouais.
Mais je pense que Groba va continuer à taper comme un sourd. Bah ouais. Tu vas taper des stocks du coup. Si c'est des adversaires de taille. Je suis désolé. Hein. Non, là, ça vient là comme ça, mais je regrette. Hein. Honnêtement, je regrette dès que ça sort. Mais... du coup, il a un avantage et un désavantage. Il est restreint. Et donc, ça va pas toucher. Et je sais pas si ça touche. Le deuxième, ça touche. Si, ouais, si, ça touche. Ok, bah, il va prendre ses 6 points de dégâts. Ouais. Et il y a toujours l'aura pour les PV temporaires. Pourquoi 6 t'es plus en rage 8, pardon. C'est 8 Ouais, c'est 8, ouais, c'est moi. C'est moi qui ai dit 6 Ouais, vous avez dit 6 tout. Pardon, je me suis trompé. Ouais, moi aussi, 8. J'ai lu machinalement un peu vite. C'est tout Bah oui, action, c'est et j'ai donc pas d'action bonus. AT vétéran, 2 jouets. Ouais, on va déjà faire le jet de sauvegarde contre la mort. Donc ça fait 2 réussites et 1 échec. Ouais. Et l'autre, il va taper le diable barbelé. Hop, 10, j'imagine que ça touche pas, donc 23 ouais. Pour 7 points de dégâts. Ça va toucher effectivement sans faire sans doute beaucoup de dégâts. Bah lui, il a toujours ses points de vie temporaire, donc il va pas relancer. Ce sera le bas de jouer celui des vétérans. Bayern commence à être. Ah non, j'ai quand même l'avantage, je vais laisser passer. Je vais lui mettre un grand coup de coutil. Un grand coup de coutille, d'accord. Bah, au diable barbelé. Ouais, je me suis douté. Oh putain. Ça ne touchera pas. Ouais. Effectivement. Attends. Tu peux pas reculer ? Non ? De toute façon, on a toujours un pari dans le chat, hein. Oui. Je bouge pas, j'ai hésité. Je ne bouge pas. Mon vétéran pour le soigner. Mais là... C'est au vétéran de Bayern de jouer. Ouais, ils vont attaquer le diable, les deux. Mm-hmm. Ah, ça va commencer à le gratter un peu. Il y a une qui touche, la 24, ça lui fera 12 dégâts. Ouais, il commence à prendre des tartines un peu. Sans lui faire non plus de dégâts considérables, mais ce sera à toi de jouer juste après. Juste après leurs 4 attaques en fait conjointes. Imaginez que ça fait quand même un sacré tas d'attaques. Un peu une tempête de lames, plus les chaînes du diable à chaînes qui partent partout. Un sacré merdier quand même toujours à cette heure-ci. Il y a un peu plus de place, mais pareil, vous marchez dans des cadavres de diable un peu dans tous les sens. Je vais lancer soin sur moi. Oh. J'ai pas pris les 2d6 de la chaîne. Oui. Des dégâts perforants, donc tu divises par 2 aussi. Bah voilà, ça fait 2 dégâts. Ok. Hop. Ah bien. C'est une action ça, non? C'est une action, ouais. Je vais juste faire ça. Très bien. Et voilà. C'est au diable barbelé de jouer. Il t'a vu essayer de l'attaquer, donc il va commencer par t'attaquer toi, mon cher Alba. Avec une griffe. Hop, ça passe. 4. Une deuxième. Ouais, d'ailleurs, il faut qu'il fasse l'esprit. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Attends, je fais juste la dernière attaque et après. Ouais, ça ne passera pas non plus. Je vais quand même faire son jet de sagesse. Parce que t'as toujours esprit gardien. Par contre, il faudrait que tu rolles ta constit sur la première attaque. Pour la concentration. T'as plus 3. Et réussit la constite, il va prendre que 4 points de dégâts des esprits. Gardien. Ok, c'est bon. Large, c'est lui, il a joué. Maintenant, c'est au diable qui va te mettre déjà un premier coup, mon cher gros bas. Sagesse aussi, du coup. Ouais.
pour... 14, ça touchera pas, ouais. Il va prendre la moitié de 9. Il commence à être pas bien, lui, non plus. Il a une deuxième attaque. Il va essayer de placer bah, sur toi, toujours, parce que tu es grapple et que tu es sa cible, maintenant. Ouais. Avec son avantage, submit, c'est parti. 21, ça touche. Ça touche. Du coup, il va refaire sa réaction. Ouais. Avec son jet de sauvegarde de constite, c'est ça. Donc, jet de sauvegarde de constite, ouais. Ouais. Et il est aveuglé. Ça, c'est raté. Il est aveuglé. Et c'est jusqu'à la fin de son prochain tour, je pense. Ouais, ok. C'est à Ascan. Je prends 9 points de dégâts. Ouais. À Ascan de jouer. Est-ce que l'un d'entre vous est vraiment pas en bon état ? Je suis diminué, mais. Bon, ça va. Moi, ça va. Est-ce que l'un d'entre vous a besoin de soins ? C'est ça la question. Non. Non, on est bon ? Ah, pas d'absolu. Bon bah dans ce cas je m'avance un peu et puis on va taper. Oui. Du coup lequel a l'air d'être plus mal en point entre les deux? Le diable à chaîne. Ok, bah c'est celui que je vais viser du coup. 24 pour toucher. Ça touche large, oui. Et 10 sur la première attaque. Ah, quand même. 16 pour toucher. Ça touche aussi. Bien. 7 sur la deuxième attaque. Ok. Et l'extra lightning. Oh, il lui restait 4 PEV. Ah putain. C'était genre, allez, petite chance qu'il survive un tour de plus. Et il est mort, nice. Du coup. Tu peux me décrire ton action si tu le souhaites pour le fluff quand même. Ah oh, bah, l'Iron Man, hein. Scan, il va, il fait pouf pouf. Et ça. Il se prend 3 impacts sur le torse. Ouais. Et vous entendez juste. Quoi? Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. Ah oui, d'accord, ça. Je ne l'avais pas eu tout de suite, effectivement. Bah là, oui, il le sait maintenant. Il tombe au sol. Bon, tu n'es plus grapple, mon cher Groba. Tu n'es plus grapple. Ascan, tu as fini ton tour. Groba, c'est donc à toi. Oui. Ouais. Bah, pardon, oui, j'ai peut-être passé un peu vite. Non, oui, il y a Sagno. Sagno va continuer de donner l'avantage à Alba. On lui chiant dessus. Gros bas. Là, ça va être la foire à la saucisse là pour le diable, je crois. Oui, ben. On va le jouer au moins. Il va juste l'attaquer. Hein, de finir le tour. Avec. Émérité. Ouf, ok, 17, 17 et 11, ça fait 28 dégâts. Oui, il n'aime pas du tout. Là, clairement, il va se tourner vers toi, genre, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru chez Mémé. Et les pèves? Ah bah merde. Il m'en restait 2, j'ai quand même lancé, et du coup, c'est au vétéran. Il y en a un qui doit faire un jet de sauvegarde. Donc la mort. Ouais. C'est les bleus, hein, c'est pas les tiens. Ben. Ah oui. Hop. Bah voilà. Ah bah elle se réveille du coup. Ça aurait peut-être mieux fait que non, mais. Bah là, de toute façon, en RP, elle va peut-être pas pouvoir se battre tout de suite. Ah hein. Ouais. Vu le déluge qu'elle a pris sur la gueule, elle s'est peut-être fait marcher dessus aussi au passage. Et l'autre, il va attaquer, mais. Non, elle. Ouais, ça rate. Effectivement. Cher Alba, c'est à toi. Balba il va attaquer. Tant qu'on lui confie l'avantage, il va tenter l'aventure. Visiblement, il n'y a personne sans revenir vers vous, vous entendez que la clameur du combat, ça touche. La clameur du combat commence à diminuer un petit peu de l'autre côté. De ce que vous voyez du coin de l'œil, parce que vous restez quand même concentré sur ce diable-là, vous voyez quand même beaucoup de silhouettes d'Elturel sont encore debout. Encore plus de cadavres qu'avant, évidemment, mais toujours qui sont là. Les diables ont par endroit eu l'air de prendre le dessus. Ulder se dirige droit vers là-bas. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait bouger. Juste pour le fluff, il s'en va. Hop là. C'est au vétéran de Bayern, j'imagine, qu'ils vont taper tous les deux sur le diable. Il reste que lui. Exactement.
Ok, le 7 ça passe, le 17 ça passe, ça fait 7 et 10, 17 dégâts, ouais. Un peu moins pour lui parce qu'il y a des résistances, évidemment. Bayern, c'est à toi. C'est peut-être ton moment de briller, d'ailleurs. Bayern, il va se lancer jusque-là, cracher un petit Glavios sur le Chain Devil au passage. Évidemment. Avec un smite. Voilà, c'est ça, le crachat qui smite, c'est pff, truc explosif. Bam. Ouais, j'aimerais bien, mais se contenter de d'un coup de maillet là où il estime que le diable a ses parties. Et voilà. Ok, d'accord, très bien. Ça touche. Les deux touches. Ok, 12, c'est noté. Et 13, c'est noté. Ok. Il y a un smite ou il n'y a pas de smite ? Il n'y a pas de smite, j'aimerais bien, mais. Ah oui, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de puissance. C'est à lui de jouer peut-être pour son baroud d'honneur, à mon avis. Ça va être comme ça. Il va tenter de. Je sais pas, il va dispatcher un peu, on va voir. Il va mettre une première griffe à Alba. Parce qu'il voit depuis tout à l'heure qu'il lance des sorts et il dit que ça l'emmerde un peu. Ça touche 4 points. Il n'y a pas le jet de sauvegarde de sagesse. Ah oui, jet de sauvegarde de sagesse. Oui. Ça se trouve, pas de 5. Il va rien faire. Jamais, il pourrait mourir là-dessus. Hein. Ouais, non. Ça aurait pas pu, mais. Non. Par contre, ça touche pas 14. Ouais, il va te remettre une deuxième. Bah oui. Il va se tourner vers mon phare, mais. Et après, il va se tourner vers, effectivement. Alba, Groba, pardon. 18, ça touche Groba. Ah oui, c'est toi, il a un avantage, c'est vrai. Et 18, ça touche déjà, mais. Bah 18, ça touche. Ouais, des fois qu'il y a un crit. Ça touche, c'est ça. 8 dégâts perforants. Très bien. 8 dégâts perforants. C'est le dernier tour de ce combat. Vous voyez très clairement qu'il y a Ulder qui est en train d'arriver au contact loin là-bas, enfin au contact dans la mêlée. Il est en train de tout de suite brailler des ordres et en train de se joindre au combat comme il le peut, parce qu'il est un peu endommagé, il est un peu blessé quand même dans l'histoire, mais il essaie de se joindre. Vous voyez que de loin, il y a beaucoup de diables qui essaient de l'attaquer. Vous voyez que là, le rituel a clairement pris une forme comme si c'était... Bah, en fait, il y a un nouveau portail qui est en train de se dessiner très clairement au-dessus de l'hôtel. Vous voyez que Lulu, si elle pouvait transpirer, elle le ferait. Elle a l'air d'être complètement en transe, d'être complètement perdue dans ce rituel-là. Et je vous propose de jouer normalement ce dernier tour de combat. Pas de rituel, en tout cas. Avec Ascan en premier lieu. Je dois faire des. Piu piu piu, Iron Man. Des piu piu piu, Iron Man, exactement. Ouais. Zoup. Ouais, j'ai perdu ma page. Voilà. Ah. 14. Non, ça ne touchera pas, par contre. Ah. Bah. 10 non plus. c'est Groba qui prend les touches. Piu piu piu. Est-ce donc vraiment le dernier tour? C'est ça. C'est tout, Ascan? Bah du coup. Gros. Pidju, pidju, combat. Vas-y. Piu, piu, piu. Ouais. Bah gros bas. Il continue, hein. Il taille dans l'art. 9, 21, 23, ok. Là il commence à être vraiment, vraiment pas frais. Je chie sur la tête d'Alba également. Ah oui. Je précise pas. Ah oui, oui. c'est le turn et les vétérans pardon, qui peuvent peut-être. Et par contre, fait notable parce que ça fait une minute que oui. C'est la première fois que ça arrive. Mais Groba, les yeux donc de Groba qui étaient verts depuis le début du combat s'éteignent, ils reprennent leur couleur naturelle. Et oui. Et c'est la première fois de ma vie sur D&D que j'arrive au bout d'un spell de concentration. ouais, je crois que pareil. Voilà, ouais, c'est pour ça que je vais jouer ce dernier tour, c'est tout. C'est vu comment vous tapez comme des sourds, voilà, il n'y a pas trop de doutes sur l'issue. Peut-être faire jouer les vétérans quand même avant de décrire la suite. Parce que le rituel est très proche d'être achevé. Oui, les vétérans, c'est toujours moi qui gère. Bah, du coup, elle peut se relever, prendre oui. Son arme. Oui, elle peut. Ouais. Elle n'est pas vaillante, mais quand elle voit que ça se passe pas trop mal, quand même, pour. Elle va essayer de se venger. Waouh! Waouh!
Bah, il y a presque tout qui touche. Ouais, il y a que le 7 qui touche. Il y a 9, 13, ça fait 22, plus 12, 34. Je compte bien. Ouais, bah. 34 divisé par 2 fait 17, bah ça le tue. Ce sera effectivement son dernier tour de jeu à lui, puisqu'il va, il va s'effondrer. Et je pense que c'est elle qui l'achève, tu sais. Au sol. À un PF. C'est ça, à un PF, c'est ça. Splatch ! Vous allez voir ce... Pour l'empereur, exactement. Vous allez voir ce diable qui va s'effondrer au sol. Nous sommes donc, en fait, à quelques secondes près, quand on y regarde bien. Quelques secondes près, vous êtes à la fin du rituel. J'imagine que vous allez tous tourner vos yeux vers là, parce que ça commence à faire énormément de lumière. Vous pouvez voir qu'au-dessus de l'autel, c'est clairement dessiné, parce que c'est presque le reflet du portail que vous avez vu précédemment au cimetière. Sauf que celui-là, il brille d'une lumière, encore une fois, si vous le fixez vraiment trop longtemps, ça va commencer à vous piquer un peu les yeux. Et vous voyez que Lulu est à côté, en train de se concentrer tout ce qu'elle peut. Vous voyez qu'elle lévite, elle, depuis que vous la connaissez. Elle est en train presque de se laisser aller comme si elle était en apesanteur. Elle tourne un peu sur elle-même dans tous les sens. Vous voyez que Feria et Selterne aussi sont en train de transpirer pendant qu'ils continuent de déclamer les dernières paroles magiques, enfin de ce rituel. Quand soudain, vous allez avoir un effet étrange. C'est que ce portail va émettre une pulsation, parce qu'il fait aucun doute que c'est un portail qui est en train de se dessiner. Il va émettre une pulsation magique de lumière qui va partir. Et en plus de vous flashouiller un petit peu la vue, va couper tout son. On va clairement couper tous les sons qui sont autour de vous pendant une fraction de seconde. Tout va s'arrêter d'un coup. Et quand vous allez rouvrir les yeux après ce flash-là, vous voyez que ce portail, lui, toujours un peu, c'est toujours cet effet flash est un peu atténué. Et quand vous retournez, vous entendez que vous n'entendez pas en fait, c'est que la bataille a d'un coup cessé. Quand vous retournez, vous voyez que la plupart des diables, pas tous, mais la plupart sont au sol et en train de se tenir les yeux. Ni une ni deux, les vétérans qui restent, les soldats qui restent sont en train de prendre cet avantage-là pour eux et en train de leur planter leurs armes au niveau de la tête, au niveau du corps, en train de les achever. Il y en a certains qui sont en train de fuir clairement par les portes. Vous retournez, vous voyez devant vous en fait un immense charnier dans cette haute citadelle. Il y a environ 30 de pourcents des gens qui ont survécu du côté d'El Turel. Il y a au moins deux fois autant de cadavres de diables à leurs pieds, en comptant ceux qui viennent d'achever à l'instant. La bataille pour la haute citadelle est gagnée, en tout cas pour le moment. Néanmoins, il y a une voix qui vous parvient de l'hôtel, la voix de Feria en fait, qui est épuisée, qui est au bout de ses forces, clairement. Elle n'est pas très loin de s'évanouir tellement elle a fourni d'efforts sur cette dernière minute. Qui est en train de vous crier « Lulu, Lulu me dit que le portail va bientôt se fermer, vous devriez le passer tout de suite, elle me dit que c'est important !» Et vous voyez que Lulu, elle est toujours un peu en train de planer, elle est visiblement en train de maintenir une concentration très très puissante sur ce portail-là pour qu'il reste ouvert. Et quand vous regardez dans ce portail-là, vous voyez un paysage de l'autre côté, celui que vous avez aperçu depuis que vous êtes arrivé en fait en Averne, c'est-à-dire un grand paysage de dunes rougeâtres. Et vous apercevez quelques structures, des tentes, difficile à dire. Qu'est-ce que vous faites ? Je me jette sur le portail. Les autres ? Et j'en profite pour soigner Bayern. Pas de refus. Grobin, en fait, lui, dès le moment où le diable est tombé, il avait directement tourné la tête vers les combats derrière eux. Et il avait commencé à se déplacer pour aller vers là, mais dès qu'il entend que Lulu demande qu'on se jette dans le portail, il va faire demi-tour, en fait, et courir vers le portail en rattrapant Alba et en le soutenant et en l'aidant à avancer. Tout le monde suit. Il va se laisser faire parce que du coup il comprend pas trop l'intérêt de se sauter dans un portail sans réfléchir à tout ça, mais... Et Lulu qui l'a dit. Ben oui, c'est un éléphant qui l'a dit, ouais. Donc on est quand même pas mal là. Ok, ben, go. J'espère qu'elle se trompe pas. Bien, ça a quand même été la plus efficace de nous tous, depuis voilà, qu'on est descendu. Hein. Ça a toujours été rigolo.
pour sa défense. Et vous courez. J'imagine vers ce portail-là, vous pouvez voir qu'il est en train de se fermer. Il y a un moment, Groba, où tu croises le regard de Lulu qui est en train de, d'essayer de reprendre, enfin, ou de ne pas perdre connaissance plutôt, et qui essaie de t'attraper avec sa trompe pour pas que tu partes sans elle. Et vous allez sauter à travers ce portail-là, et comme la dernière fois que vous avez transplané, en fait, au final, pour venir ici, vous allez avoir cette sensation de chute juste à la fin de votre passage la dernière fois, cette sensation de chute qui vous paraît sans fin, mais qui n'a pas duré plus de quelques secondes. Vous allez vous écrouler par terre, les deux genoux au sol, les mains dans un sable qui est chaud, et ça vous brûle pas pour autant, mais qui est très très chaud, sous un soleil de plomb, il fait 40 degrés à tout casser. Alors ceux qui sont en armure, ça va être le four, hein, on va pas se mentir. Vous êtes au sol, comme ça, vous venez de tomber dans un grand fratras, vous avez du mal à reprendre connaissance, parce que le fait d'être passé à travers ce portail-là, ça vous a pas mal perturbé les sens. Et donc toi, tu as Lulu qui est accroché à toi, Groba. Et toi, Groba, tu vas lever la tête et tu vas voir que autour de toi se tient un campement. Un grand campement qui est lui encerclé par un espèce de mur d'enceinte. Mais là où toi, tu étais habitué à voir des poteaux en bois, là, tu vois des espèces de grandes plaques en métal qui sont, j'ai jamais vu ça, mais qui sont clouées les unes aux autres. Enfin, ça ressemble à des grands clous qui sont mis en travers. Il y a des espèces de poteaux. Pareil, dans un espèce de truc, je dirais que c'est de l'acier, que c'est du métal qui sont là. Les tentes, pareil, elles sont faites de grands tissus, mais les montants sont en acier. Ça fait comme des grandes griffes, comme des grandes défenses d'éléphants, mais qui sont pareil en acier. Certains sont en bois aussi. Pareil, des plaques de fer qui sont clouées. Tu aperçois tout un tas de briques et de brocs de partout, des espèces de... comme des chariots, mais qui sont faits en acier, en métal, qui sont au sol. Ils ont des grandes roues en acier, tout est en tas, posé en merde comme ça. De loin, t'aperçois quelques silhouettes. Est-ce que c'est des toutes petites silhouettes? On dirait qu'ils ont un visage de corbeau, comme des kenku, en fait. Et vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez ce décor-là autour. Par contre, toi, Ascan, quand tu relèves la tête, tu es accueilli par autre chose. Tu es accueilli par un espèce de long cylindre en acier qui est pointé sur ta tête et qui est tenu par une personne. Ma foi, très accueillante, puisqu'elle ressemble à ça. La montrer au chat aussi. What the fuck? Elle tient, bon, pour faire un anachronisme, elle tient un flingue dans sa main. Et elle te pointe comme ça, elle dit: alors, qu'est-ce qui vous prend de déranger Maggie la Satrée? Et qu'est-ce qui vous prend en plus de ramener Lulu ici?